Alors d'abord, les marques, de mon point de vue, ont un impact quotidien dans la vie des consommateurs et elles ont aussi un pouvoir d'influence. Donc reconnaître les marques qui s'engagent en matière de développement durable est à mon avis quelque chose de très important. C'est aussi créer une dynamique collective parmi ces marques et c'est enfin et surtout participer à l'éducation du consommateur, à sa prise de conscience, d'agir et de consommer de façon plus responsable. Parce que justement, on trouve que distinguer des marques qui font un effort particulier dans ce domaine-là est une très bonne chose. Nous-mêmes, en tant que groupe, considérons le développement durable absolument fondamental. Il est au cœur de notre modèle avec le programme L'Oréal pour le futur. Et nous considérons aussi que nos marques doivent montrer l'exemple. Donc soutenir à côté de nous d'autres acteurs dans différents secteurs, nous sommes vraiment importants, nous sommes vertueux et on est très fiers de pouvoir participer à ce très beau prix. Alors, vous savez, nous, on a un programme, comme je le disais, L'Oréal pour le futur, qui est extrêmement ambitieux, qui nous engage jusqu'en 2030 à vraiment agir pour réduire nos émissions de CO2, réduire notre consommation d'eau, agir pour la régénération de la biodiversité, ceci de façon importante, en adressant le sujet d'ailleurs non pas sur le scope de nos activités propres, mais aussi sur le scope 3, c'est-à-dire l'usage par le consommateur de nos produits. Donc les objectifs que nous nous fixons sont extrêmement ambitieux. Toute l'entreprise est mobilisée, tous les métiers sont mobilisés sur cet enjeu et je peux vous dire qu'aujourd'hui, déjà des premiers résultats sont visibles, déjà des premières initiatives de nos marques sont très concrètement orientées dans ce domaine. Et puis on a un projet d'ailleurs aussi très en amont sur le sourcing de nos matières premières, sur la formulation, avec le projet Green Science, qui est un projet d'une envergure tout à fait colossale. Donc pour nous, L'Oréal pour le futur est une nouvelle étape dans l'engagement du groupe sur le sujet du développement durable, avec des KPIs et des objectifs extrêmement concrets et extrêmement forts. Ah, j'en suis convaincu et je pense que cette attente va monter de plus en plus et dans tous les secteurs. Donc il est fondamental que les marques prennent cette dimension en main et c'est aussi aux marques, naturellement, de participer au quotidien à la prise de conscience et à l'éducation des consommateurs pour une consommation plus responsable, pour des usages plus vertueux.